Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureux d'animer cette présentation de la rentrée littéraire un peu particulière. Vous êtes nombreux, sûrement comme moi, à profiter du retour à la vie progressif, mais malheureusement, il y a encore des choses qu'on ne peut pas faire, et c'est être tous ensemble pour vous présenter cette rentrée littéraire. Du coup, les éditions de l'Observatoire ont décidé de venir à vous et de vous présenter encore une fois une rentrée littéraire qui s'annonce très riche et foisonnante aux éditions de l'Observatoire. Je suis avec Dana Burlak, directrice littéraire des éditions de l'Observatoire, parce que nous avons décidé, avant de rentrer dans le vif du sujet, de faire peut-être un petit avant-propos pour rappeler les valeurs de la maison, la ligne éditoriale et tout ce qu'a envie de diffuser, de développer cette maison qui est quand même assez récente. Bonjour Dana Burlak. Bonjour Léonard et merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est important de parler rapidement peut-être parfois de la personnalité de l'éditeur parce que souvent c'est quand même une rencontre et là en l'occurrence ça a été un coup de foudre avec la ligne de l'Observatoire. Donc c'est pour ça que je vais vous raconter en deux mots mon parcours. Mm-hmm. Je suis pas tout à fait française, ça va aussi vous expliquer certaines choses sur la ligne éditoriale de l'Observatoire. Je suis née en Israël d'un père uruguayen et j'ai vécu tous les 4 ans, on était expatriés, on changeait de pays, Argentine, Brésil, Amérique, Australie, bon et j'en passe, et beaucoup de voyages au Japon. Tout ça a fait que ça m'a donné la possibilité de parler plusieurs langues et donc de publier la littérature étrangère en lisant beaucoup de textes dans la langue. Et ça m'a donné aussi une curiosité, je pense, insatiable, inextinguible, d'apprentissage, de plonger dans de nouvelles cultures. Donc voilà, il y a tout ça, plus un parcours classique de littéraire et une formation d'interprète de conférence qui m'a totalement ennuyée. C'est comme ça que j'ai atterri dans l'édition. J'ai fait mes armes chez Flammarion, 6 années, voilà, en littérature étrangère. Ensuite, chez De Noël, 6 années, où j'ai fait du français, de l'étranger, ce qu'on appelle de la non-fiction et de la fiction. Et désormais, à l'Observatoire, depuis 3 ans. Je crois que vous êtes justement arrivé peut-être un an après la création des éditions de l'Observatoire. Est-ce que votre arrivée a coïncidé avec peut-être un changement de braquet dans la ligne éditoriale ou est-ce que c'est la même ligne éditoriale depuis le début, à la fois dans le domaine étranger et dans le domaine français? C'est justement ça qui est bien, c'est que parfois on a tendance, quand on arrive quelque part, à vouloir tout changer, la charte graphique, la ligne éditoriale. Là, pas du tout. Déjà, cette charte graphique, on en parlera après, mais elle était magnifique. Donc, moi, je ne touchais à rien. Et la ligne éditoriale, pour moi, me correspondait parfaitement. Parce que l'idée, donc, l'Observatoire, qui est une maison qui publie beaucoup de non-fiction, des essais, des documents, et donc la fiction dont je m'occupe avec Lise, qui est éditrice, étrangère et française, vraiment l'idée, c'est, d'où le titre de la maison, d'observer le monde. Moi, je cherche vraiment des auteurs étrangers comme français qui racontent des histoires et qui nous parle du monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Voilà, c'est vraiment ça ma quête. Et ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, c'est que donc Muriel Beyer, qui a fondé la maison, m'a proposé de faire les deux. Et ça, c'est assez rare aussi en France, où on a tendance à compartimenter, à faire que de l'étranger, que du français. Et je trouve que pour avoir une ligne éditoriale en tout cas cohérente, c'est très excitant, peut-être qu'on en reparlera, mais de faire les deux, l'étranger, c'est pas du tout de la même... ça se cherche, c'est plus balisé, c'est plus long dans le temps. Là, on cherche des titres, par exemple, pour 2023. Le français, c'est pas du tout la même chose. Il y a plusieurs manières de trouver la littérature française. Donc ça... pour moi, ça a été un coup de foudre, donc dans la manière de voir l'édition et dans la ligne éditoriale. Donc moi, j'ai rien touché. Avec aussi l'idée d'une, par exemple, là, c'est assez criant avec cette rentrée des parutions ramassées, de pas s'étendre forcément, de se concentrer sur des textes pour leur accorder toute l'importance qu'on leur doit. Ah, mais ça, c'est vraiment une conviction et vraiment, ça se confirme de toute façon d'année en année, de mois en mois. Mais on publie d'ailleurs 3 titres par ce qu'on appelle communément des rentrées. Un titre étranger, un premier roman et un deuxième, troisième roman d'un auteur maison. Et c'est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant de travailler comme ça parce qu'on est d'ailleurs une équipe très, très soudée. On fait beaucoup de tournées libraires. Vraiment, l'idée, c'est de défendre les auteurs le plus possible, le mieux possible. Et dans les types de fiction que vous recherchez, est-ce qu'il y a des traits qui ressortent? Est-ce qu'il y a des envies particulières? J'ai l'impression qu'il y a 2 axes qui se détachent et ça vaut pour le français comme pour l'étranger. On cherche en tout cas des textes qui soit parlent d'une époque, d'une culture, qui nous font plonger de plein pied dans une société, dans une histoire. Donc ça vaut, donc c'est ce que fait Abel Quentin, on en reparlera. C'est ce qu'a fait Anaïs Siobet, je peux pas tous les citer, mais avec Des hommes couleur de ciel, et on la retrouvera d'ailleurs en janvier. Elle nous racontera l'histoire d'une ville fantôme chypriote. Choki Amari, auteur algérien francophone qui nous emmène dans les montagnes de Kabylie. Émilie Goussa qui nous a emmené en Amérique. C'est un voyage souvent qui est donc géographique, mais qui est aussi parfois intérieur, parce que Thibaut Bérard, Sigolène Vincent, Salomé Modino, je trouve, nous font voyager dans les méandres de l'âme humaine, mais de façon extrêmement romanesque. Ça, c'est vraiment très, très rare. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a eu un tel coup de cœur et qu'ils sont cohérents dans la ligne de l'Observatoire. Donc, il y a cet axe-là. Et après, le deuxième axe qui se détache, c'est ces auteurs qui, comme Léa Chauvel-Lévy, avec son premier roman, s'attachent à une personnalité
des femmes, des hommes, soit connus en tout cas, soit parfois anonymes, qui n'ont pas été reconnus à leur juste valeur et ont été un peu oubliés par l'histoire. Et ça, c'est aussi un exercice très difficile, et quand un auteur le réussit, c'est magnifique. Karine Silla l'a fait, par exemple, avec Aline Sito Ediata, qui était la Jeanne d'Arc du Sénégal. Whitney Scherer l'a fait avec en remettant vraiment à la lumière les Miller, qu'on a trop souvent associé à juste la compagne de Man Ray. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment, ce sont pour moi deux axes constants. D'ailleurs, j'ai l'impression que cette rentrée littéraire que vous, peut-être vous pouvez nous présenter en quelques mots est une illustration presque parfaite de ce que vous venez de nous raconter. Bah, vu que c'est presque une obsession d'avoir cette cohérence éditoriale, tout en proposant des textes variés dans leur thématique, en effet, cette rentrée, comme les autres d'ailleurs, illustre parfaitement ça, avec un roman argentin, Eichmann à Buenos Aires, signé Ariel Magnus, un premier roman signé Léa Chauvel-Lévy, intitulé Simone, et avec le deuxième roman d'Abel Quentin, Le Voyant des Tempes. Eh ben, je vous propose qu'on en parle plus en détail. Je vous remercie, Dana. On va vous retrouver un peu plus tard. Je vais accueillir Lise Vérard, qui est une autre éditrice de la maison. En attendant qu'elle arrive, je voudrais vous rappeler que vous pouvez intervenir sur le live stream. N'hésitez pas à poser des questions. On vous répondra en live, en direct sur tout ça. J'accueille Lise Vérard. Bonjour. Bonjour, Léonard. Donc, vous êtes éditrice aux éditions de l'Observatoire et vous venez nous présenter le premier roman de Léa Chauvel-Lévy. Racontez-nous tout ça, de quoi ça parle, qui est Léa Chauvel-Lévy? Alors, Léa Chauvel-Lévy, c'est donc son premier roman qu'elle publie avec nous et on est très, très, très heureuse. Je pense que je parle pour Dana comme pour moi. Donc, un premier roman intitulé Simone qui nous plonge dans le destin justement méconnu de Simone Rachel Kahn, que l'on rencontre dans ce roman quand elle a 23 ans. Elle fait partie de cette ville parisienne qu'elle habite entièrement depuis l'enfance. Elle vaque dans la librairie d'Adrienne Monnier. Elle fraye avec ceux qui seront plus tard les surréalistes et les dadas, surtout à l'époque. Et surtout, elle deviendra Simone Breton par celui qui lui donnera son nom, qu'on connaît très bien, contrairement à elle. Et elle rencontre André quand il n'est encore que justement un étudiant de médecine qui n'est pas encore devenu celui qu'on on appellera plus tard le chant du surréalisme. Et elle vit ça, une vraie passion, une passion folle, une passion folie aussi d'une certaine façon. Et elle se découvre aussi surtout en tant que femme. Et c'est surtout ça qui est très fort dans le roman de Léa, la façon dont elle s'empare de cette figure qu'est Simone, effectivement, qui n'a pas besoin d'André pour devenir réellement celle qu'elle sera plus tard. C'est une femme pleine de vie, pleine de passion, aussi extrêmement tourmentée. Léa brosse avec beaucoup de talent, justement, à la fois cette fragilité et cette force que peut donner un premier amour. Avec une question qu'on se pose quand même, parce qu'on aime bien forcément connaître un peu les coulisses des maisons d'édition, quels sont les défis à relever quand on doit dénicher un premier roman? Comment on procède? Quels sont les obstacles, peut-être? Mais c'est vrai que c'est une question qui passionne et qui nous passionne, nous, en tant qu'éditrices. C'est quelque chose qui revient à chaque fois parce qu'on a la curiosité continuelle, justement, de découvrir un texte qui va nous animer dès la première page. C'est le cas pour Léa Chauvel, d'ailleurs, qui a une scène, j'en dévoile pas trop, mais une première scène extrêmement frappante, extrêmement physique, charnelle, qui, en tant que femme aussi, je pense, nous a beaucoup, beaucoup émues. Et c'est dès les premières pages où on a la sensation de tomber sur une voix, réellement, une capacité de raconter, une capacité de nous projeter. Et il y a plein de façons, effectivement, de découvrir un texte, c'est-à-dire déjà rester toujours à l'affût de toutes les lectures qui peuvent nous être proposées. Parfois, un texte qui n'est pas retenu va en appeler un autre, etc. Et puis, c'est aussi travailler avec les personnes du monde éditorial qui nous entourent, que ça soit, bien évidemment, nos confrères et nos consoeurs. C'est le cas pour Léa Chauvel-Lévy, parfois, qui nous est... Voilà, des textes nous arrivent par d'autres voies que la seule de notre voix de voix d'éditeur, et puis aussi des acteurs un peu plus méconnus, je pense, pour certaines personnes, qui sont les SCAT, par exemple, pour les romans étrangers, mais surtout les agents, qui aujourd'hui ont un vrai rôle aussi de découvreurs, qui nous accompagnent tout au long. C'est le cas aussi pour Léa Chauvel, encore une fois, qui est représentée par Yann Jeffard, mais on travaille avec plusieurs d'entre eux, plusieurs d'entre elles, et c'est vrai que c'est une grande richesse aussi de pouvoir, par le dialogue, bien évidemment, et puis par la force de proposition, de découvrir des choses qui ne seraient pas forcément à notre portée, et puis après, bien sûr, nos propres lectures et tout ce qui nous anime, qui nous font aller vers d'autres univers parfois. Est-ce que la belle histoire du manuscrit envoyé par la poste existe encore? Est-ce que c'est des choses qui se font? Est-ce qu'on découvre des talents comme ça par hasard?
Oui, encore vraiment. Bah, c'est vrai qu'on a, bien sûr, comme toutes les maisons, un service des manuscrits auquel on porte vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance. Alors, de plus en plus, surtout en ce moment, la technologie est dense et c'est des manuscrits envoyés par mail. Mais vraiment, il y a toujours en plus, surtout, ce ventre qui se tord un tout petit peu de savoir que peut-être se niche justement dans cette boîte mail ou cette boîte postale des textes qui n'ont pas encore été découverts. Et souvent, c'est Paul Ochanowski-Lawrence qui disait que finalement, découvrir un premier roman, c'est comme regarder par la porte, par la fenêtre d'un appartement au rez-de-chaussée. On sent qu'on n'a pas trop le droit normalement et en même temps, on a vraiment envie. Et c'est un petit peu ça quand on décachète des enveloppes ou qu'on ouvre un mail dans cette boîte, justement, une boîte à surprise, quoi, à trésor. Et le travail de l'éditeur doit être extrêmement stimulant quand on travaille un premier roman, avec peut-être cette mission aussi de faire éclore un talent qui pourra s'inscrire dans la durée, de retravailler un texte qui est encore peut-être un peu brut. Ça doit être beaucoup plus. Ça doit être en tout cas très stimulant, non? Tout à fait. Et c'est vrai, en plus, ce que vous dites sur, je sais que pour Dana et pour moi, c'est très, très, très important d'inscrire, en fait, les auteurs dans une politique d'auteur, c'est-à-dire de les suivre, de bien sûr découvrir une voix, sentir quelque chose qui nous tord le ventre, et surtout de pouvoir accompagner un auteur ou une autrice tout au long de sa création littéraire, de pouvoir la faire évoluer, de pouvoir le faire grandir avec nous en tant que lectrice aussi, par ailleurs, en tant qu'éditrice. Et c'est vrai qu'il y a aussi un plaisir certain à découvrir un univers qu'on n'a pas encore maîtrisé, avec lequel on n'est pas encore familier, une voix qui nous est encore inconnue, et de travailler souvent à 6 mains, à 4 mains, de mettre ce qu'on appelle souvent, on me dit, les mains dans le cambouis. C'est pas du cambouis, c'est du cambouis qui tâche, dans le sens où c'est du cambouis qui nous marque, et de travailler justement avec, que ça soit avec Léa Chevel-Lévy, mais bien sûr aussi avec des seconds romanciers comme Abel Quentin et tous les romanciers et romancières qu'on accompagne, mais vraiment en toute confiance de savoir que on va dans la même direction, on a une vision qui est commune et c'est important pour nous de l'établir dès le début, mais effectivement d'aller chercher la substantifique moelle de ce qui fait la différence chez cette autrice. Super, merci beaucoup Lisvera. Bah, on va laisser les auteurs parler maintenant puisqu'on va accueillir Léa Chevel-Lévy. Merci beaucoup. Merci à vous. J'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas pendant les différents entretiens à nous poser vos questions sur le live. On vous y répondra en direct, donc vraiment n'hésitez pas. J'accueille Léa Chevel-Lévy, bonjour. Bonjour. Après tant d'éloges, on a hâte d'échanger avec vous. Il y a une question qu'on se pose forcément quand on s'adresse à un primo-romancier, c'est comment on entre en littérature, comment on se met à écrire, comment on se lance dans cette belle aventure. Alors moi j'ai longtemps cherché mon sujet, j'étais journaliste, je couvrais les expos pour la presse spécialisée art, mais je savais que je voulais écrire un roman, mais depuis toute petite, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai, et j'avais pas du tout de sujet, et je pense qu'en fait c'était la mauvaise méthode, on cherche pas un sujet, on tombe dessus comme on tombe amoureux et on choisit pas de tomber. Et là en fait, donc moi je suis commissaire d'expo et critique d'art, et lors d'un déjeuner, ça a été très décisif, j'ai déjeuné avec un galeriste et je lui dis, alors comment t'es arrivé dans ce milieu, et il me parle de sa grand-mère. Et il me dit, elle a été galeriste, elle a exposé tous les surréalistes, ça a été la première à exposer Max Ernst, elle a été photographiée par Man Ray, elle a collectionné Picasso avant tout le monde. Et je lui dis, mais personne s'est emparé du sujet. Et il m'a dit, bah non, vas-y. Et après, je sors, c'était un déjeuner un tout petit peu aviné, et je sors, j'avais un livre sous le bras, et je rencontre quelqu'un que j'avais pas vu depuis 25 ans. Il me dit, tu serais pas en train d'écrire un roman? Et en fait, c'est à travers ses yeux que je me suis dit, c'est possible. Ok, donc c'est vraiment la vraie belle histoire. Ouais. Et on se dit souvent aussi que se frotter à l'écriture pour la première fois, l'expérience même de l'écriture presque viscérale, ça doit être quelque chose qui prend aux tripes presque, non ? Oui, alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que j'ai commencé à écrire et j'ai écrit cette scène d'ouverture, je peux en parler, c'est la scène de l'avortement, qui a été difficile à écrire, et je me suis mise à avoir mal au ventre. Et j'ai appelé mon médecin généraliste et je lui dis, est-ce qu'il y a un syndrome d'identification comme ça à son héroïne? J'ai mal au ventre, je me tords de douleur. Et il me dit, non, allez-y, c'est bon, vous êtes dans le bon sujet. Ok, c'était un habitué du coup. Ouais, c'est ça. Okay. Et non, après, ça a été extrêmement agréable d'écrire. Et l'écriture a été plutôt, comment dire, un processus long ou ça s'est fait vraiment… En 7 mois. Ok. J'ai écrit, j'irais assez vite et c'était très agréable.
Après, quand j'ai mis le point final à ce roman, je me suis rendu compte que le début ne marchait pas. Ça okay. fonctionnait absolument pas. Et j'ai eu cette idée de la scène d'ouverture. Non, en fait, c'est quand même 7 mois d'écriture, je dirais. Après, il y a le travail avec les éditrices qui m'ont tenu la main. C'est un peu plus long, ça. Je voudrais qu'on parle de ce personnage qui habite, et de cette femme qui habite le roman, Simone Rachel Kahn. Comment vous la décririez? À quel genre de femme on a affaire? Une femme absolument passionnante. Alors, peut-être des éléments biographiques, on sait très peu de choses d'elle. Elle a grandi au Pérou, elle est née en 1897, après ils se sont installés avec sa famille à Paris. Elle y a vécu, puis elle est morte en 1980. Donc, issue de la bourgeoisie intellectuelle éclairée, de gauche, juive, plutôt libérale. Après, elle fait des études de philosophie, comme moi. Très tôt, elle rencontre les Dadas, elle rencontre André Breton, elle devient sa femme, elle devient une personnalité surréaliste. Après, il divorce, donc elle quitte le surréalisme, mais elle s'arrête pas là parce que elle ouvre deux galeries, une première rue de Fürstenberg et une deuxième pour s'agrandir. Ça marche tellement bien pour elle qu'elle expose tous ses amis surréalistes rue de Seine après. Puis c'était rare d'être femme galeriste à cette époque. Elle fait une conférence sur le surréalisme qu'elle donne dans tous les pays d'Amérique latine, qui fait assez date. Mais on connaît très, très peu de choses d'elle, en fait. Ce qui est lié avec quelque chose de plus global dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Je trouve qu'il y a un autre personnage qui est très fort, qui n'est pas un vrai personnage, mais c'est le Paris des années 20 et tout ce ouais. bouillonnement artistique. Je sais que vous qui êtes dans le milieu d'art, est-ce que c'est ça aussi qui vous a peut-être emmené dans cette histoire encore plus? Oui, bien sûr, parce qu'elle était commissaire d'exposition. Par exemple, ça a été la première à exposer Max Ernst en France, ce qui n'est pas rien. Et moi, je dois dire que j'étais assez jalouse et envieuse d'elle. Parce que moi, mon travail, c'est de dénicher des artistes et de les exposer. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que moi, les artistes que je rencontre, est-ce que c'est les Picasso de demain? Donc, il y a eu un processus comme ça d'identification. Ça m'a nourrie énormément. Et ce Paris d'après-guerre, ces années folles, c'était vraiment passionnant. Je connaissais pas bien, je me suis posé des questions extrêmement naïves. Je me demandais s'ils se téléphonaient, s'ils prenaient des taxis, s'il y avait encore des chevaux ou pas, s'il y avait des voitures, comment ils se parlaient en fait. Et puis quelle presse ils lisaient, quel ouvrage ils avaient entre les mains, qu'est-ce qu'ils allaient voir. Donc ça a été absolument passionnant de me plonger dans ce Paris des années 20. Dans cette espèce de bouillon interdisciplinaire. Et son quotidien m'a passionnée. C'est-à-dire que le matin, elle va aller à la librairie d'Adrienne Monnier, qui a découvert à peu près tout le monde. Enfin, Paul Valéry sans Adrienne Monnier, c'est quand même pas grand-chose. Ce Paris des années 20, c'est la fête. Paris libéré. On va danser la biguine, on va au bal nègre, il y a des revues. C'est quand même assez... Ce qui est assez fou aussi, pardon, c'est qu'avec l'idée de cette fresque du Paris des années 20, avec une vraie, comment dire, on décrit une vraie histoire vraie, des gens qui ont existé, etc. Oui. Le défi, c'est à partir de là, comment on injecte de la fiction et comment Bien on sûr. Part du côté du roman. Comment Mais vous êtes attelé à ça? Oui, en fait, c'est très intéressant. C'est une zone frontalière entre le document historique et la fiction. Et au tout début, je voulais absolument coller au réel. Donc, j'appelais la fille de Simone Kahn, Sylvie, qui est une psychanalyste absolument formidable de 70 ans, parisienne, qui habite encore là où Simone a vécu. Je l'appelais, je lui disais, est-ce que je peux faire vivre cette scène à Simone? Est-ce que ça, c'est crédible? Est-ce qu'elle a eu des histoires avant Breton? C'est là qu'elle m'a dit que Voldemort était partie aux Amériques. Donc je l'appelais, je voulais absolument être fidèle. Donc pour et être je me disais, sûre de coller. Oui, ouais. C'est ça. Et après, elle m'a dit, c'est pas un document historique, c'est une fiction. Donc sentez-vous libre. Est-ce que ça passe aussi justement par peut-être la passion amoureuse qui est racontée dans ce roman, où on sent que justement la fiction s'empare et que c'est aussi une histoire d'amour passionnée, peut-être destructrice. Ça passe aussi par là, la fiction? Ça passe par la description des sentiments amoureux, je dirais. Moi, ce qui m'a intéressé, c'était les prémices. En fait, je voulais
surtout pas le happy end avec la dernière scène qui serait le mariage. Il se marie en 1921, Paul Valéry et le témoin, ça aurait pu être intéressant, hein. Mais j'étais trop collée à l'histoire. Oui, donc la fiction passe par l'élaboration des personnages et ce que Edith Wharton explique avec le stream of consciousness, pardon pour mon accent déplorable. Mais ce qui se trame, et j'ai senti son corps, c'est aussi un roman un peu organique, j'ai senti la façon dont elle avait les mains moites, la façon dont ses tempes battaient, et je voulais qu'on soit un peu sa tête, quoi. Mm-hmm. Dans son ventre aussi. Avec l'idée aussi sous-jacente qui est très intéressante, qui fait à mon avis la force du livre, c'est, et qui d'ailleurs rentre en résonance avec un autre livre publié aux éditions de l'Observatoire, je crois que c'était Whitney Scherer, qui parlait de Lee Miller, donc qui était la femme de Man Ray. C'est l'idée que ces femmes d'artistes qui sont présentées comme des muses sont parfois, même souvent, beaucoup plus que ça. C'est-à-dire même des inspiratrices, des artistes à part entière qui ont souvent été un peu niées par l'histoire ou en tout cas complètement qui oubliées. N'ont pas la place qu'elles méritent. Complètement oubliées. C'est le cas de Simone. Ouais. Oh oui, et c'est surtout pour ça que je voulais la mettre dans la lumière, elle, et que Breton, qui est toujours au premier plan, soit dans l'ombre. Un Breton beaucoup plus discret, ouais. Un Breton que je connaissais très mal, donc j'étais vierge, c'était absolument parfait, mais de la plonger, elle, dans la lumière. Et elle l'a inspirée, déjà, elle l'a inspirée parce que elle l'a fait bosser. C'est-à-dire qu'elle a établi beaucoup les chemins de fer, on appelle ça les chemins de fer des numéros de littérature, Place du Panthéon. Et puis, surtout, elle lui a tendu la main. Et puis, en fait, Breton adore les dadas, évidemment. Il est dada lui-même, mais elle les déteste. Et donc, elle l'a forcé à penser le mouvement dada. Mm-hmm. Donc, elle l'a aidé. Comme elle le voulait un peu, elle l'a un peu influencé. Influencé, ouais. Voilà. Elle lui demandait de préciser sa pensée, en fait. Mm-hmm. Et elle l'a inspiré. Alors, c'est étonnant, mais il n'y a pas d'ouvrage... parce qu'on connaît Nadja, on connaît L'amour fou, mais on connaît pas de texte de Breton sur Simone. On connaît juste les lettres qu'il lui a écrites, qui ont été publiées chez Gallimard. Mm-hmm. Il est fou amoureux d'elle, il est transi. Moi j'ai connu Simone par Breton, mais l'idée c'est quand même de parler de Simone avant Breton. Et il paraît qu'il aurait brûlé sa correspondance. Oui. Il l'a brûlé, c'est pour ça on a peu de traces en fait de Simone. On connaît. Il pourrait quand même qu'il a peut-être certaines choses ou certaines paternités qui ne seraient pas vraiment de lui. Quoi. Oui, en plus c'est étonnant parce qu'ils se sont écrits toute leur vie. Jusqu'à leur mort, ils se sont écrits. Et il a tout brûlé. C'est incompréhensible. Moi, je vais essayer de comprendre ça, de tirer ça au clair. Je ne sais pas s'il avait quelque chose à se reprocher. Je ne sais pas s'il était honteux de certaines choses, parce qu'il l'a délaissé un petit peu. Ils étaient ensemble et puis il est tombé fou amoureux de Nadja. Il est tombé fou amoureux de Lise Meyer, de Suzanne Musard. Ils se sont amoureux de beaucoup. Beaucoup, alors qu'ils étaient ensemble. Mmh. Je ne sais pas pourquoi il les a brûlés. Est-ce qu'il y avait une envie quand même de... Enfin, en tout cas, pas une envie, mais parfois, est-ce que votre écriture dérivait sur, comment dire, en voulant réhabiliter Simone, peut-être rabaisser un peu le... Breton ? Ouais. C'est, on peut se laisser prendre par ces personnages comme ça. Je le voulais discret comme une lune naissante, mais je voulais qu'il soit doux avec elle. Je voulais qu'il soit fou d'elle dans la mesure où moi j'admire profondément Simone, telle que je l'ai imaginée, hein, mais telle qu'elle a dû être. Pas rabaisser Breton, quand même pas. Non, non. Mais lui donner un rôle secondaire, clairement. Merci beaucoup, Léa Chavel-Lévy. Merci beaucoup. Donc je rappelle votre roman Simone. Apparaître le 18 août, il me semble. Merci beaucoup. Et on va accueillir à nouveau Dana Burlak pour parler du roman étranger de la rentrée littéraire. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions pendant le live, on vous y répondra directement. Merci beaucoup. Rebonjour. Rebonjour. Un seul roman étranger, donc, un roman argentin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, un roman argentin. Déjà, c'est vrai qu'on va en reparler, mais moi, j'ai des origines uruguayennes. En tout cas, je cherche beaucoup de littérature en Amérique latine, qui a une production littéraire extrêmement riche, je trouve, ces derniers temps. Et là, c'est un roman très intéressant qui raconte pas seulement en fait le séjour argentin d'Adolf Eichmann, mais c'est plutôt un exercice presque schizophrénique d'un juif argentin qui s'est dit...
qui a été en fait cet homme qui a vécu le plus tranquillement du monde en Argentine après la Seconde Guerre mondiale et qui ensuite a été capturé par le Mossad. Qui il était, et il se met presque à sa place. Donc c'est un exercice périlleux, mais qu'il réalise de façon absolument brillante dans un texte qui m'a profondément marqué. Ouais, avec un long travail d'enquête et Je vous propose, avant d'en parler plus en détail, peut-être de l'écouter, puisqu'il a tenu à vous laisser un message, même s'il ne peut pas être présent, bien évidemment. Mais il avait envie de vous parler. Je pense qu'on peut l'écouter. De Eichmann se escribió muchos libros, pero ninguna novela. Y la verdad es que la novela es la única que cuenta la intimidad de una persona. Entonces, el desafío era meterse en la cabeza de Eichmann y mirar su estadía en Argentina, que fue descrita desde los agentes que lo atraparon, desde su mirada. Para eso tuve que leer todo lo que escribió, que es un trabajo que no le recomiendo a nadie, también mucho de lo que se escribió sobre él, meterme en su cabeza y a partir de ahí recomponer su historia. Esa historia es la que nos permite entender qué Eichmann se vio en Jerusalén y también nos permite entender quizás por qué lo atraparon. ¿Se dejó atrapar? Hay un punto donde yo creo que sí, y eso es lo que trato de desarrollar en la novela. Otro incentivo importante para mí era que buena parte de la vida de Eichmann en la Argentina ocurrió en el barrio donde yo me crié, en el barrio de mi familia. Quería recomponer esa parte de la historia que ocurrió tan cerca de mi casa y que es también recomponer parte de la historia de los alemanes, judíos y nazis que volvieron a encontrarse a tantos miles de kilómetros después de la guerra en Buenos Aires. Voilà le gentil message d'Ariel Magnus. À noter quand même l'accent espagnol incroyable et incompréhensible, en tout cas de mon côté. Je pense que ça, c'est typiquement argentin, cet accent très mâchouillé, j'ai l'impression. Oui, même pour moi qui viens de là-bas, j'ai eu presque du mal à le comprendre. Ouais. On sent que, en tout cas, ce roman est extrêmement personnel pour lui et intimement lié à son histoire familiale. Elle est un petit peu liée à la vôtre aussi, c'est peut-être ça qui a créé cet attachement au roman, non ? Oui, même si en général, j'ai presque pas un sentiment de rejet, mais je ne cherche pas une littérature, heureusement, oui, bien sûr, qui parle de moi. Mais là, c'est vrai que ça m'a plus touchée que d'autres romans, parce qu'il parle de quelque chose qui est pourtant une vérité historique totalement fondée, et qu'on connaît moins en France. J'ai trouvé que dans ce roman qui m'a profondément marqué, Le ghetto intérieur de Santiago Migorena, on avait déjà découvert, on le savait, mais cette communauté juive ashkénaze très très implantée en Argentine, mais on sait moins en fait cette cohabitation qui a duré des années entre les juifs, les rescapés des camps qui avaient perdu quasiment toute leur famille et des SS, des nazis qui étaient venus par dizaines, par centaines, franchement par milliers en Argentine, en Uruguay, dans le sud du Brésil. Alors c'est vrai que moi je suis d'origine uruguayenne, mais plutôt des Polonais qui sont morts pour la plupart dans les camps, et ceux qui ont pu fuir sont allés en Uruguay, sont passés par l'Amérique, on leur a dit non, il y a trop de gens. Et ensuite, l'Uruguay qui a été une terre d'accueil vraiment pour les juifs comme pour les nazis. Et c'est ça qui est complètement fou. Et quand on pense qu'Adolf Eichmann, lors de son procès à Jérusalem, avait une cloche de verre autour de lui, et on sait moins que c'était parce qu'on ne... En fait, c'était pour que les juifs autour ne respirent pas le même air que lui. Et se dire ça, alors que 4 ans auparavant, 3 mois auparavant, en fait, sur le même palier, il y avait des gens dont toute la famille avait été tuée dans les camps, c'est vraiment déstabilisant. Ouais. Donc c'est ce qu'Ariel Magnus, car c'est son histoire personnelle, veut montrer, en plus de quelque chose de politique en Argentine, avec ce Perón qu'on découvre au milieu, au début du roman plutôt, et qui était vraiment très très trouble, un peu sympathisant, ouais, voilà, qui a accueilli de nombreux nazis, et en même temps, voilà, ça a été une terre d'accueil pour de nombreux Ashkenazes. C'est très particulier. Justement, Adolf Eichmann, qui s'appelle, je crois que son Ricardo Clement, il se fait passer pour un local, éleveur de lapins, enfin, tout ce qui... C'est assez hallucinant, en fait, celui qu'on appelait l'architecte de l'Holocauste. À quel genre de vieil homme ou d'homme, en tout cas post-guerre mondiale, post-Reich, on a affaire? Comment on décrirait un peu? Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté entre, limite un petit papy, on le voit assez bien d'ailleurs sur la couverture, c'est un petit papy un peu mignon avec ses lapins, etc. Et en même temps, très vite, on se rend compte que
le monstre n'est jamais parti. Oui, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, qui est ambivalent chez lui, et c'est pour ça qu'Ariel Magnus a autant lu à propos d'Eichmann et aussi écrit par Eichmann, c'est qu'on a donc en effet ce bonhomme là avec son gros lapin blanc qui vivait donc tranquillement, comme beaucoup d'ailleurs d'anciens SS, avec sa femme, ses fils, et qui était tout à fait intégré dans la communauté. Enfin, on l'imagine aisément, vraiment, c'est un cliché, mais prendre un café avec Mengele, c'était vraiment des scènes surréalistes. Et c'est vrai qu'Ariel Magnus, c'est pas qu'il contredit, parce que ce sont deux portraits qui peuvent être, on va dire, qui peuvent correspondre, mais c'était donc quelqu'un qui était un bureaucrate nazi, mais c'était quand même quelqu'un de convaincu. Il avait des idées, c'est pas parce qu'il allait en Argentine qu'il a arrêté d'avoir des idées nazies. Bien ses sûr. Fils d'ailleurs ont continué à véhiculer ça, et presque, il était presque tordu au point de connaître le judaïsme très très bien et de réciter une prière juive qui s'appelle le Kaddish aux membres, au Mossad. Enfin, c'est vraiment hallucinant. Et l'idée peut-être derrière ça, c'est, on a l'impression en tout cas qu'il y a une forme d'engagement assez viscéral d'Ariel Magnus qui veut bien apporter un message très clair. Adolf Eichmann n'est pas forcément qu'un suiveur, qu'un bureaucrate. Il n'a pas forcément changé en immigrant en Argentine. Ça reste le monstre, peut-être même beaucoup plus intellectualisant qu'on veut bien le dire. C'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de juifs qui, en réaction sûrement peut-être à ce discours, mais qui est fondé aussi, qui décrivait beaucoup de SS comme voilà des suiveurs et des bureaucrates. En effet, il a voulu montrer, c'est pour ça qu'il s'est autant documenté, qu'Eichmann était vraiment quelqu'un qui connaissait, qui connaissait sur le bout des doigts les idéaux nazis, qui a tout fait pour d'ailleurs véhiculer ça après. Et il y avait des amicales d'anciens nazis. Enfin, on dirait un gag, mais c'est vrai, pendant très longtemps, jusqu'à, à mon avis, il y en a encore aujourd'hui. Avec, vous avez commencé à en parler, mais peut-être même un lien direct avec les autorités qui étaient au courant de tout ça, avec les voisins même d'Adolf Eichmann qui sont au courant presque de sa véritable identité, une sorte de gens, de laisser-faire global qui est assez hallucinant. Comment on peut l'expliquer, ça? Oui, mais c'est vrai que même parfois, moi j'en parlais, mais à ma propre famille, je leur disais, mais comment on fait? Pourquoi personne ne réagit? Cet homme a tué des milliers de personnes. Et parfois, je disais, mais vous traversez la rue et vous vous croisez. Et en même temps, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, mais bon, ça, c'est les gens qui ne pouvaient rien faire, mais c'est vrai que le gouvernement argentin a vraiment fermé les yeux sur beaucoup de choses, et je pense qu'ils étaient aussi pas mal intéressés par le pactole qui accompagnait pas mal de sympathisants et de SS. Donc, c'est vrai que l'histoire de l'Argentine est extrêmement trouble, et d'ailleurs, le roman s'ouvre sur une scène absolument marquante et véridique. Le jour où Evita Perón meurt, il n'y a plus de fleurs nulle part, on trouve des fleurs nulle part en Argentine, tellement les gens sont effondrés, alors que cette femme était quand même assez, complexe, historiquement. Aussi, ouais. Voilà. Et lui, il attend, il y a beaucoup de Eva dans cette histoire, il attend sa femme, Eva, ses enfants, il cherche des fleurs partout parce qu'il est trop content de retrouver sa femme et ses enfants qui arrivent tranquillement d'Allemagne. Donc l'histoire est vraiment Oui, c'est ce basculement progressif à travers le livre entre le mari aimant, l'homme bon sous tout rapport, même peut-être discret, inoffensif, et qui d'un coup bascule. Enfin, on sent qu'il essaie de recréer peut-être un petit cercle en Argentine, qu'il essaie de... Au final, il n'a pas abandonné ses idéaux, et même il veut peut-être les recréer ailleurs. Ah mais oui, quitte presque à dire à ses fils de d'épouser des juives pour ensuite qu'elles-mêmes soient un peu, on va dire, lobotomisées. C'est vraiment très étrange, c'est assez terrible. Et c'est pour ça que ce n'était pas un exercice facile. Et d'ailleurs, à la fin, enfin, je révèle rien, mais c'est vrai qu'on comprend l'aspect autobiographique du roman. Oui, un chapitre, ouais. Et c'est très bien, parce que c'est vrai que l'exercice est extrêmement intéressant et nous permet de comprendre toute la duplicité de cet homme. Ouais, c'est un chapitre assez incroyable où justement l'écrivain fait irruption comme un personnage dans le roman pour expliquer la haine de son père pour ce personnage, que d'ailleurs c'est assez truculent parce qu'il le menace, si tu dis une seule chose de bien de lui, je ne te reparle plus jamais. Enfin, il s'attaquait vraiment à quelque chose d'assez ambigu et il s'en sort magnifiquement bien. Je vois aussi une résonance avec beaucoup de romans, vous avez commencé à en parler, mais aussi Olivier Guez, La disparition de Joseph Mengele. Il dit d'ailleurs qu'il a lu ses livres. C'est marrant, c'est cet intérêt pour des périodes qui sont encore assez cachées, assez troubles sur ce nazisme qui s'est réfugié en Amérique latine. Oui, c'est vrai, et je pense que même aujourd'hui, enfin, il y a deuxième, troisième, quatrième génération, mais c'est quelque chose. Alors, je pense que aujourd'hui, les personnes qui ont vécu ça commencent à disparaître les unes après les autres. Donc, c'est pour ça peut-être que la parole se libère un petit peu. Mais moi, vraiment, en grandissant, c'était un truc extrêmement tabou. Vraiment, on ne parlait pas de toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, Ariel Magnus, comme beaucoup de juifs sud-américains, enfin, d'ailleurs, de descendants de rescapés, d'ailleurs, là, il est en Allemagne, il fait une thèse autour, justement, de cette période-là. Okay. Donc, il est vraiment, c'est une obsession. Nubilé, ouais. Mais je pense qu'il a attendu ce moment-là, justement, pour publier un texte qui parle
parlait de ça. Ses romans précédents, il avait déjà eu un texte publié en France, mais parlait pas vraiment de ça. Donc ça, je pense que c'est le plus personnel pour lui. Et est-ce que le roman a déjà connu un gros succès en Argentine là-bas ou est-ce que ça... Oui, alors je pense qu'il est plutôt installé en Argentine et c'est vrai que je pense que d'ailleurs c'est comme à New York où il y a une grande communauté juive, mais je pense que là-bas on sait quand même plus cette espèce de proximité entre une grande communauté juive qui est immense et des sympathisants nazis. Mais moi ce qui m'intéressait c'est qu'un Argentin nous en parle et c'était la première fois que je lisais un texte justement d'un Argentin qui a vécu ça intérieurement et qui explique ça aux Français. Qui, je pense, quand même, ne savent pas tant que ça, cette partie-là de l'histoire. Non, c'est certain. Et juste petite question coulisse, comment il a atterri en fait sur votre bureau ce manuscrit ? Bah alors la littérature étrangère c'est beaucoup plus donc c'est plus balisé que le français. D'accord. Moi je trouve ça très agréable du coup de faire les deux. Ça arrive tout le temps par des agents. Okay. Il avait déjà eu un roman publié en France qui s'appelait Une partie d'échecs avec mon grand-père. Moi j'avais repéré. Il a un agent qui est allemand, qui s'appelle mexicain. Décidément, qui est génial, c'est Michel Gueb avec un co-agent français. C'est une agence qui s'appelle BAM et c'est arrivé comme ça. Et je pense qu'on était peut-être plusieurs. Il y a un système d'enchères. Souvent qui a lieu. Et voilà, moi j'ai immédiatement aimé ce texte. Donc c'est Eichmann à Buenos Aires d'Ariel Magnus, pareil, sorti le 18 août 2021. Bah oui, forcément. Merci beaucoup. Oh non, je vous restez avec nous. Je reste là. Puisqu'on va accueillir le troisième écrivain, mais vous allez nous en parler un peu plus, puisque c'est un deuxième roman aux éditions de l'Observatoire. Et un premier roman qui avait fait grand bruit. C'est vrai, donc Abel Quentin, auteur emblématique pour l'Observatoire, parce qu'en plus il incarne, donc comme je disais tout à l'heure, quelque chose qui est très important pour moi et qui est si rare à trouver, c'est des textes générationnels qui parlent d'aujourd'hui, mais sans être démagos, sans être donneur de leçons, enfin et surtout qui raconte une histoire qui nous emporte dans l'histoire de façon totalement avec fougue et passion. Et donc il y avait beaucoup d'humour aussi. Je trouve que ça c'est une immense qualité qui est assez rare en littérature. Et donc son premier roman, Sœur, là parlait d'une jeune femme radicalisée. En effet, il avait été vraiment remarqué à juste titre par donc une sélection concours. Il était même en finale du concours des lycéens. Mais c'est vrai que l'exercice du deuxième roman, enfin, c'est très difficile, je pense. Et pour moi, je sais que ça fait vraiment. Mais comme j'ai que trois textes par entrée, je les aime tous autant. Mais c'est un coup de cœur énorme parce que vraiment, je pense que rarement un livre n'a autant parlé de notre époque et en même temps d'un conflit générationnel avec autant d'intelligence et d'humour. Et donc en quelques mots, mais Abel en parle bien mieux que moi, c'est l'histoire d'un anti-héros. Moi j'adore ce genre de personnage, c'est le loser magnifique par excellence qui ne comprend pas son époque et qui a une soixantaine d'années, qui est à la retraite. Et on a l'histoire de ce Jean Roscoff qui nous raconte l'histoire. En plus c'est extrêmement habile dans la construction, c'est presque de l'ordre de l'orfèvrerie tellement c'est bien construit. On a un poète américain qui a fui le macartisme pour frayer un peu, pour se fréquenter Sartre, Beauvoir et finir, bon, je révèle rien, mais dans un platane. Et c'est vraiment, et surtout, on a l'histoire d'un scandale. Et c'est ça qui est un scandale qui part comme ça et qui a un effet boule de neige et qui dit tellement de choses sur notre époque. Et c'est vrai que je pense qu'Abel aime beaucoup la littérature de Philip Roth. Et moi, j'y retrouve vraiment des choses. Je suis aussi très friande de littérature américaine. Et on a eu beaucoup de libraires déjà qui nous ont dit « mais ça me fait penser au Bûcher des vanités ». Moi, je trouve que c'est très, très juste. Et il y a quelque chose dans la distanciation qu'il a et l'intelligence qu'il a. Et il est jamais méchant. C'est jamais féroce, mais c'est tellement drôle, c'est tellement juste qu'on en ressort, je trouve, totalement autre. Et avec une réflexion, je trouve, incroyable sur notre époque, tout en ayant pris un plaisir, en tout cas moi, qui l'ai lu, mais vraiment 12 fois, j'ai un plaisir inégalé à chaque fois que je le lis. Après tant d'éloges, on a envie de s'entretenir avec lui. Merci beaucoup, merci. Dana. Merci beaucoup. Et on va accueillir Abel Quentin pour parler de ce deuxième roman. Je le répète une dernière fois, n'hésitez pas, pendant l'entretien, à poser vos questions. On vous répond. En direct, alors qu'on a failli avoir une chute sur le plateau. Merci beaucoup. Bonjour Abel Quentin. Bonjour Léonard. Je vais revenir sur ce qu'a dit Dana. On dit souvent que le second roman, surtout quand le premier a si bien marché, aussi bien au niveau du public que de la critique, c'est un sacré défi et qu'on peut parfois rencontrer des obstacles ou des difficultés. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? Oui, ça a été le cas parce que il faut trouver un sujet. Je pense que on a peut-être une pression supplémentaire, celle de devoir transformer un essai. Et puis moi, je me suis planté au début puisque je suis parti vraiment sur une impasse avec un projet de livre un peu infaisable qui m'a perdu comme ça pendant de longs mois. Et puis à un moment donné, j'ai
j'ai trouvé le sujet du voyant des tempes, bon, qui m'a été aussi dicté par une époque, par aussi des choses qui me travaillent depuis longtemps, qui sont celles de l'évolution de notre société, celles de la crise de l'universel, celles des mutations générationnelles, et celles aussi d'une société qui est très violente et qui est une société de la polémique et de l'insulte et de l'injure. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, une société où un individu peut se faire broyer sur les réseaux sociaux avec des départs de feu extrêmement violents, extrêmement rapides, parfois injustes. C'est ça que j'ai voulu raconter. Donc pour le coup, le processus d'écriture de celui-là était beaucoup plus rapide que le premier, enfin, ou en tout cas que le deuxième projet qui a été avorté, que vous gardez dans un coin de votre tête quand même, ou peut-être à voir. Okay. Peut-être. Mais oui, ça a été rapide. Mais ça a été rapide aussi parce que finalement, mon écriture, elle a été guidée par le mécanisme de la polémique moderne, qui est quelque chose d'implacable. Et on le voit parfois. On sait que on voit tel personnage public qui va tenir un propos. On peut aujourd'hui savoir ce qui va se passer, les effets boule de neige dévastateurs qu'il peut y avoir. Et donc finalement, j'ai tiré ce fil-là, j'ai pris mon personnage de anti-héros, comme le disait Dana. Il écrit donc un livre sur un poète américain qui se tue dans l'Essonne en 1960. A priori, un sujet très confidentiel. On n'a vraiment pas a priori la matière pour une espèce de une polémique d'ampleur. Sauf que on sait aujourd'hui que très vite, un mot peut créer ce départ de feu-là. Et son livre, qui s'appelle Le Voyant des Temps, puisque c'est le livre en réalité de mon narrateur, qui est lui-même écrivain, Le Voyant des Temps, va donner lieu à un scandale. Et décrivez-nous un peu ce truculent héros Jean Roscoff, parce que c'est un homme qui a à la fois un charme un peu suranné, qui est très cynique, qui attire vraiment des sentiments très contraires. Ah, c'est un fils des années 70 et 80. Il a connu la marche des beurs. Il vient de l'antiracisme à la papa, un petit peu celle de « on est tous des enfants d'immigrés ». Il portait un perfecto au début des années 80. Il était un peu flamboyant, c'est un intellectuel. Il a fait Normal Sup. Puis voilà, les années ont passé. La bedaine s'est un peu épaissie sous l'effet du gin qu'il ingurgite en proportion non négligeable. Oui, parce qu'il faut noter aussi qu'il est légèrement attiré par la boisson. Il picole. Hein, on va pas se mentir, il picole. C'est un thème assez central du livre. Et donc il va perdre aussi ses illusions. Il va voir que peut-être que certaines causes nobles, comme celle des SOS racistes, avaient pu aussi être instrumentalisées par le pouvoir politique, que certaines trajectoires n'étaient pas si naïves que ça, que certains de ses amis avaient des arrière-pensées qu'ils n'avaient peut-être pas décelées jeunes. Et donc, ça va se transformer. Il va en plus rater sa vie universitaire parce qu'il va faire les mauvais choix de carrière. Et il arrive, la soixantaine bien tassée, dans nos années 2010-2020, un peu comme une épave, il faut bien le dire, mais une épave avec une forme de, oui, peut-être quand même de charme. Parce que l'alcoolisme en plus n'aide pas dans le contexte que vous avez cité, c'est-à-dire où chaque mot compte et peut. C'est un peu un Gaston Lagaffe à l'ère de l'intersectionnalité et des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il fait à chaque fois qu'un choix s'offre à lui, il prend la mauvaise direction avec une espèce de constance assez admirable, et donc il fait n'importe quoi et puis il picole, et donc à chaque fois il essaye de réparer les conneries qu'il fait, et il ne fait qu'empirer la situation. Il décide de s'inscrire sur Twitter qu'il ne maîtrise absolument pas, et donc il va participer à créer cette espèce de polémique qui va le broyer. Et le côté loser magnifique dont parlait Dana tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose de particulièrement stimulant pour un écrivain d'essayer de créer un personnage qui est quand même très attachant, qui est quand même inspirant, malgré toutes les bourdes et les conneries qu'il est capable de faire? Moi, c'est mes personnages préférés en littérature. On parlait tout à l'heure avec Dana de Jim Harrison qu'elle m'a fait découvrir. Et il y a ce personnage de sorcier qui est un espèce de type qui est obsédé par le sexe, la gastronomie, mais en même temps qu'il n'y a pas de boulot et qui est un loser magnifique. Et il y en a énormément d'autres dans notre littérature. Moi, j'ai comme ça, par goût personnel, je suis plutôt...
j'ai plutôt de la tendresse pour ces personnages-là. Je les trouve attachants. Et dans la littérature nord-américaine, Dana parlait tout à l'heure de Philip Roth. Moi, il y a un livre qui m'a aussi inspiré dans l'écriture, qui est Disgrâce de Coetzee, qui est un livre assez proche de la tâche de Philip Roth, avec un personnage d'universitaire qui... J'allais vous en parler, c'est vrai voilà. qu'il y a un parallélisme assez... Moi, j'aime bien ces hommes-là dont la vie a été faite, qui sont pas non plus des vieillards kakoshim, mais les combats ont été menés avec plus ou moins de succès. Et c'est des hommes mûrs, mais c'est des hommes qui vont encore prendre des risques, prendre des mauvaises décisions et qui ne sont pas compris par leur époque. C'est vrai que j'aime ces personnages-là et j'ai voulu en créer un petit peu un français. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que l'embrigadement, qui est plus ou moins le thème de votre premier roman, est un thème assez puissant aussi chez Roth à travers la pastorale américaine normalement, notamment. Donc, il y a une vraie inspiration chez vous de la littérature américaine dans son ensemble. Oui, c'est sûr. Pour Sœur, la pastorale américaine a pu m'inspirer, puisque dans la pastorale américaine, il y a un personnage de jeune fille radicalisée, alors radicalisée à l'extrême gauche, mais avec des ressorts de besoin de se trouver une famille et de crises identitaires qui étaient les mêmes et qui m'intéressent beaucoup. L'adolescence, je dirais que peut-être que les moments de la vie d'un homme qui m'intéressent le plus, c'est cette crise de la soixantaine et l'adolescence, qui sont des moments clés. Et c'est vrai qu'ils ont été traités magnifiquement par un Philip Roth, par exemple. Je voudrais qu'on parle d'une chose et Dana en a aussi parlé, qui est très importante dans le livre, c'est l'humour. Un humour qui est très présent. Comment on travaille l'humour en tant que romancier? Je sais que c'est... Est-ce que c'est quelque chose qui... On cherche le bon esprit, le bon mot d'esprit, la bonne blague, au risque peut-être de tomber à plat? Mais c'est quelque chose qui est assez rare, notamment dans la littérature française, où on a tendance à soit tomber à côté, soit être dans l'extrêmement sérieux. Comment vous développez ça? Je pense que ça se travaille pas vraiment, mais il y a quand même une notion de rythme qui est... tout le monde dit que les humoristes, c'est être humoriste, c'est un travail de tempo et de rythme. Je n'ai pas du tout cette prétention-là, mais ce qui est sûr, c'est que je crois que c'est un art de la ponctuation, peut-être, c'est un art du point, de savoir terminer la phrase sur une ambiguïté ou sur une fin brutale. Et moi, j'aime beaucoup les écrivains qui me font rire. Je crois que souvent, en France, peut-être, oui, on a cette mauvaise croyance que l'humour se fait au détriment d'une forme de profondeur ou d'un propos. Je pense vraiment le contraire et Roth. Mais tous les rires sont différents. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le rire, par exemple, d'un Jim Harrison, c'est un rire rablésien. C'est un rire, où on est, qui est ancré et qui vient du ventre. Et le rire d'un Roth, c'est peut-être plus un rire de tête, c'est plus un rire new-yorkais, c'est plus un rire intellectuel. Et donc, il y a tous ces rires. Et pour moi, la littérature, c'est aussi une palette de rires qui est aussi la casquette de satiriste un peu qui vous va à merveille. Parce que même, je l'avais constaté dans le premier roman, qui pourtant ne prête vraiment pas à rire, notamment dans la description de la petite ville où s'enchaîne une description un peu type carte postale dans le cadre de l'élection, et tout de suite après c'est une description qui souligne bien toute la laideur et la platitude de la ville. Est-ce que la satire, c'est pour vous une porte d'entrée très intéressante? On sent qu'il y a vraiment une envie de croquer l'époque et de s'en moquer allègrement. Oui, certainement, il y a l'envie d'être un peu méchant, ça c'est certain, pas cruel mais un peu méchant, et puis d'essayer d'appuyer un petit peu là où ça fait mal. Et j'ai envie de dire, c'est pas les occasions qui manquent aujourd'hui. Il y a qu'à ouvrir les yeux pour être atterré ou catastrophé, mais aussi rire sans méchanceté, mais plus des situations que des personnages. Moi, je pense que c'est les situations qui sont grotesques, davantage que les personnages. Et dans mon livre, il y a pas vraiment de personnages qui soient tout noirs, qui soient vraiment des méchants de films. C'est des personnages qui essayent de se débattre un petit peu avec leurs contradictions. Même si j'ai l'impression quand même parfois de reconnaître certaines figures qui passent. On se moque beaucoup du milieu universitaire, du milieu littéraire aussi. Est-ce que ce jeu littéraire vous plaît aussi? C'est juste des petites moqueries un peu cachées? Oui, c'est amusant. C'est-à-dire que
chacun, enfin, Dieu reconnaîtra les siens, hein, mais oui, il y a peut-être quelques personnages de notre modernité qui sont cachés dans le roman. Après, les personnages sont aussi tous des sortes de Frankenstein qui empruntent à tel ou tel, mais oui, il y a vraiment l'envie de parler du monde d'aujourd'hui et aussi des personnes qui font notre paysage intellectuel et c'est vrai universitaire. J'ai voulu parler un peu de ça, quoi. Et derrière la satire, forcément, il y a un moyen parfait de parler de notre époque. Vous avez déjà commencé à en parler, mais on a l'impression, à travers votre livre, plus que jamais, qu'on assiste un peu à une violente collision entre les générations. Et ça se voit notamment, c'est des scènes toujours truculentes, mais même entre Jean Roscoff et sa fille et sa nouvelle copine, qui est très engagée, qui critique énormément les générations d'avant. On a l'impression qu'il y a une vraie confrontation entre une jeunesse qui est extrêmement militante, mais qui du coup part un peu dans tous les sens, et une vieille génération, alors je dirais dépassée un peu, et aussi qui est toujours dans le « c'était mieux avant », etc. Est-ce que c'est une idée que vous partagez ? Ouais, c'est ce que j'ai voulu montrer. C'est même un thème central, quoi. C'est une sorte de clash des générations qui est d'autant plus douloureux pour la génération qui précède que mon personnage, Jean Roscoff, il pense qu'a priori partager les valeurs de sa fille. C'est des gens qui sont à gauche, qui sont engagés dans le combat antiraciste. Et puis, en fait, il se rend compte que les choses ont changé. C'est-à-dire que le vocabulaire de l'antiracisme moderne, par exemple, de privilège blanc, de fragilité blanche, toutes ces choses-là, lui, il n'y comprend rien. Et il a ce côté un peu grotesque aussi de celui qui veut apprendre sur le tard, quoi. Un peu comme, je pense à Philippe Murray qui porte un t-shirt dans Lost in Translation. C'est toujours, on a envie de rire, quoi. Et il a ce côté-là un peu touchant. Et en même temps, c'est violent parce que on lui renvoie une image là où il s'était construit. On se construit tous une image, lui s'était construit une image d'homme de progrès. On lui renvoie une autre réalité. Et la réalité, c'est qu'il est un petit peu, il est plus très à la page, en fait. Puis il est pris au piège aussi. J'ai l'impression que c'est un peu ça la mécanique un peu diabolique de ce roman. C'est quelqu'un qui, au final, est pris au piège d'un truc qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ouais, il est piégé, quoi. C'est vraiment le bon terme parce que à un moment donné, d'ailleurs, il compare sa situation à celle des guêpes qui étaient piégées dans les pièges à guêpes artisanaux que faisait son père dans sa jeunesse. Et c'est le sentiment qu'il a, c'est que en fait, son destin ne lui appartient plus. Et surtout, il est face à un ennemi invisible parce que sans trop déflorer l'intrigue du livre, ses ennemis, c'est finalement cette espèce de meute invisible des internautes. C'est les médias, mais c'est pas un ennemi qui a un visage. Et il se débat là-dedans, et pour lui, c'est vraiment une situation pour laquelle il est pas armé. Et probablement que la meilleure chose à faire, ce serait de se mettre en position latérale de sécurité et d'attendre que ça passe. Sauf que lui, il va avoir la mauvaise idée de faire des choses. Ouais. Avec une idée quand même, vous me direz si je me trompe, mais que vous êtes beaucoup plus piquant avec cette jeune génération, et peut-être même pas forcément jeune, ces gens en tout cas cachés derrière leurs ordinateurs et leurs claviers, que par ces vieux désabusés. J'ai l'impression que vous avez une forme d'attachement quand même à ces gens. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Il y a peut-être une... Un jeune vieux, vous êtes un jeune vieux peut-être ? Ouais, c'est ça. Ouais, les jeunes vieux comme Macron, enfin, ces gens-là qui n'ont jamais été vraiment jeunes. Ouais, non, c'est vrai, j'aime les vieux, j'ai pas peur de le dire. J'aime les vieux. Non, c'est vrai, mais en même temps, les personnages de jeunes militants un petit peu excessifs, je veux pas en faire non plus des enfin c'est aussi des personnages qui sont blessés, qui sont de bonne foi, mais ils sont dans un excès et ils n'ont pas encore été un petit peu travaillés par la vie qui leur a pas encore appris que les choses n'étaient pas toutes noires ou toutes blanches et qui n'ont pas d'indulgence. Et j'écris quelqu'un qui, j'espère, suscite l'indulgence, qui est Jean Roscoff, qui dit des conneries, qui se croit féministe, mais en réalité qui est en effet un petit peu misogyne sur pas mal de choses. Mais ces personnages, on les connaît. Et aujourd'hui, on est à une époque où ces personnages-là souvent se prennent des volets de bois vert assez violentes, parfois justifiées, parfois pas justifiées. Et voilà, j'ai voulu parler de ça un petit peu. Puis je voudrais vous poser une dernière question.
Vous avez écrit deux romans qui sont très différents, mais qui en même temps, j'ai l'impression, tissent quelque chose d'assez fort sur une vision de notre époque et de ses probables dérives. Est-ce que c'est quelque chose qui vous accapare quand vous écrivez un roman, c'est-à-dire il faut que ça soit en connexion, que vous tissez un lien entre tous vos romans? Alors, j'ai pas forcément l'idée du livre d'après, donc je suis pas dans. J'ai toujours vraiment une admiration immense pour les gens comme ça qui construisent une sorte de plan. Bah, Dana parlait par exemple de Santiago Amigorena, qui est quelqu'un pour qui, en fait, il le dit lui-même, il écrit un seul livre depuis le début de sa carrière, dont il a quasiment dessiné le plan extrêmement tôt. Moi, je suis bien incapable de faire ça, et par contre, c'est vrai que je parle du réel. Mais presque malgré moi, c'est-à-dire que j'avais envie de faire autre chose, justement, j'aimerais bien un jour faire un roman de science-fiction, un roman qui soit pas localisé dans le temps, ou un roman historique. Je trouve ça, c'est un genre très très beau, et c'est vrai que peut-être mon goût de la satire, c'est vrai, fait qu'au final, je vais quand même vers ça parce que j'en ai envie et que c'est comme ça, c'est un peu naturel. Et comment, juste pour terminer, comment vous avez plus ou moins, c'est aussi ça, c'est intéressant, je trouve, de rentrer un peu dans la psyché des romanciers, mais comment vous avez géré ce succès un peu qui était quand même assez important du premier roman? Est-ce que ça met une pression? Est-ce que ça, on a l'impression d'attirer des lecteurs avec nous et donc on ne doit pas les décevoir? Oui, il y a de ça parce que il y a l'idée qu'on ne sait pas tout simplement si on arrivera à faire un deuxième livre. Et moi, mon premier livre, en plus, il m'avait vraiment habité pendant des années. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire. Et donc, ouais, j'avais cette peur-là. Et puis, je voulais pas non plus radoter. Je voulais quitter ces problématiques-là qui sont ceux du djihad. Au final, bon, c'est vrai que mon deuxième livre, il est aussi, il est pas sans rapport. Je parle d'une même société, je parle aussi des obsessions identitaires, qui est peut-être un peu le fil rouge entre ces deux livres, mais c'est qui est pas forcément un fil rouge, que j'ai prémédité, quoi. Eh ben, en tout cas, sachez que vos lecteurs ne seront pas déçus de ce deuxième roman. Il est juste splendide. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de ce live. Je voudrais vous rappeler quand même les titres des trois ouvrages. Léa Chauvel-Lévy, donc premier roman, Simone, apparaître tous les trois le 18 août 2021. Ariel Magnus, Hetchman à Buenos Aires, roman argentin donc, et Abel Quentin, Le Voyageur des Tempes, deuxième roman, tous les trois le 18 août 2021. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, si vous souhaitez recevoir des services de presse ou autres informations, à contacter Catel Davo. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup et puis à bientôt.